une petite chanson à propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison. Il ne s'agit pas du facteur, du plombier, d'un représentant casse-pied. Il rend intelligent même les plus sots, c'est Bernard Pivot. L'homme illustre disait des Français, ce sont tous des veaux. On a depuis fait de nombreux essais pour changer de peau. Mais c'est pas avec le loto d'Alès que nos cellules se décrassent. Un nom est venu rehausser le niveau, c'est Bernard Pivot. La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake, après bouleversé que Chateaubriand n'était pas qu'un steak. Son époux n'ayant lu que des cantates sur les boîtes de camembert, se mit soudain à citer Roland Barthes, Nietzsche, la Bruyère. Le vendredi, les Français rentrent chez eux, bâclant leur dîner. Quelques sardines, un yaourt ou des œufs devant la télé, où la nourriture audiovisuelle sera d'abord spirituelle. Car seul homme à ce moment très beau, c'est Bernard Pivot. Car le soir de diffusion d'apostrophe, plus un chat dehors. Pour les prolos, commerçants, philosophes, l'émission d'abord. Et même ceux qui font l'amour sur la table, arrêtent leurs ébats coupables. Ils prennent le pied en regardant le show de Bernard Pivot. On se souvient du valeureux Hercule et de ses travaux. Roland Bruit ignorant le recul au col de Roncevaux. De Charlemagne qui s'est entêté à nous faire faire des dictées. On a aujourd'hui le petit nouveau, c'est Bernard Pivot. Car c'est un art que de faire jeter un auteur timide, de couper celui qui veut pas s'arrêter et qui prend le bide. Est-ce qu'un talent qui émoustille son cerveau vient du beau jeune nouveau? Je laisse encore une fois le dernier mot à Bernard Pivot.